Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment récupérer les données sur votre disque dur. Si vous avez un PC qui ne fonctionne plus, un problème de démarrage ou il est complètement HS par exemple, et vous êtes pressé de récupérer les données. Donc la solution, c'est d'avoir cet adaptateur. Il sert à brancher votre disque dur à un autre PC. Dans ce cas-là, ce PC-là ne fonctionne pas. Je dois l'ouvrir pour récupérer le disque dur. Voilà. Là, j'ai accès à mon disque dur. Donc, je peux... Là, j'ai un double disque dur. Je prends celui où j'ai mis les données. Et l'autre, je laisse la partie système. Donc, il suffit de tirer ici pour le débrancher. Voilà. Je vais débrancher les deux parce que le câble... empêche de faire sortir un seul. Donc, une fois débranché, je tire mon disque dur vers l'extérieur. Voilà. Et là, je prends mon adaptateur. Voilà. Là, je vois que c'est l'occasion de le nettoyer un petit peu avec un aspirateur. Donc, je peux le brancher comme ça avec son socle, ou bien je préfère enlever le socle. Je vous explique comment ça fonctionne. Il est branché à l'alimentation DC. Voilà. 12 volts. Et là, c'est pour récupérer les données. On a une sortie USB. Voilà. Donc, je branche tout d'abord à l'alimentation. Voilà. J'ai fait ça. Et voilà. Et on a plusieurs ports. Donc, celui-là qui s'adapte bien. Donc, je le pose dans un endroit stable. Parce que le premier ennemi du disque dur, c'est les vibrations. Et je branche ma clé USB, mon câble USB vers l'autre PC. Voilà. Une fois que j'ai terminé de brancher, je viens pour allumer mon disque dur. Voilà. J'appuie sur ce bouton-là. La lumière bleue s'allume. Et je regarde sur mon écran. Il y aura une détection des disques durs dans quelques secondes. Voilà. C'est le disque E. Là, c'est une partition vide. Je prends celui-là. Il y a à peu près plus de 200 gigas de données dedans. Voilà, je rentre dedans facilement, simple clic. Et là, je sélectionne les données que je veux récupérer. Voilà, par exemple, les vidéos, elles sont là. Là, j'ai plus de 100 gigas de vidéos. Et aussi, par exemple, les données que j'ai mis ici les photos et tout. Voilà, par exemple. Voilà, tout est récupérable. Donc, c'est un geste simple. Ça prend même pas 5 minutes pour faire ça. Regardez d'ailleurs la vidéo, elle prend moins de 10 minutes. Avec toutes les explications. Vous pouvez faire ça, donc cette démarche en 3 minutes, rapidement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires.
Si vous me demandez, je vais vous mettre le lien où acheter cet adaptateur pour 25 euros à peu près. Il est disponible sur Internet et sur les magasins matériel informatique. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur la maintenance informatique. Je répondrai avec plaisir avec d'autres vidéos prochainement. Voilà. Sur cela, je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo.